catch 'em all. Et salut à tous les amis, aujourd'hui c'est Mathis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de glitch. Donc comme vous pouvez voir, le son est trois fois meilleur. Donc dans cette vidéo, je vais présenter trois glitchs, dont deux que c'est moi qui l'ai trouvé et un que c'est lui. Donc pour le premier, c'est moi qui l'ai trouvé, donc là vous allez comme moi dans la vidéo. Donc c'est map payante si vous voulez savoir tout. Et donc c'est parti. Donc là vous allez faire comme moi, chercher cet endroit. Donc là vous êtes là, bim, vous appuyez et hop, vous êtes coincé là-haut. Mais bon, moi je suis tombé, du coup je vais le refaire. Donc là vous cherchez un point et hop, une fois que vous êtes là-haut, donc ce glitch c'est moi qui l'ai trouvé, donc il est parfaitement bien. Car vous pouvez tirer en dessous de vous et là-bas, ouais, en face, là-bas aussi il y a des gens qui passent dans la ville. Et donc voilà, donc ce glitch est pas mal. Après, donc celui-là, c'est les deux que je vais faire voir que j'ai trouvé. Moi ils sont moins bien que l'autre mec qui l'a trouvé. Et le mec qui l'a trouvé ce glitch, qu'après je vais faire voir le troisième, dans son glitch j'ai trouvé un autre glitch. Donc là pour celui-là, vous allez faire pareil, c'est que vous allez vous décaler. Et donc là, en plus d'être là-haut, vous allez pouvoir chiller dans l'église. Donc déjà, ça c'était pas mal. Donc maintenant, on passe au glitch qui l'a inventé lui. Donc pour ça, vous avez... alors ce qui est bien avec son glitch, c'est qu'on n'a pas besoin de faire option R1 L1, non, rien du tout. Mais bon, alors là, du coup, là voilà. Donc là, une fois que vous étiez là où vous pouvez chiller dans l'église, vous aurez pu faire ça et aller dans son glitch. Donc là, c'est moi qui ai trouvé une autre façon d'aller dans son glitch. Mais bon, c'est parti, on passe tout de suite à son glitch. Donc pour ça, vous allez devoir vous rendre comme moi dans la vidéo. Donc il est très très simple. Donc là, il faut juste chercher. Donc c'est un peu long à chercher un endroit où vous pouvez vous cramponner. Donc vous pouvez vous cramponner, hop, vous y allez. Et là, mais ce glitch, il est vraiment what the fuck, hyper simple et tout. Donc les gars, je vous conseille vraiment de faire ce glitch. Donc là, il n'y a pas beaucoup d'endroits où vous pouvez chiller. Donc là, vous apparaissez dans une salle, donc dans l'église en fait, dans une salle secrète de l'église. Vous ne pouvez pas voir. Donc pour savoir si vous pouvez chiller à des endroits, vous prenez votre grappin. Et si d'un coup il se met blanc, ça veut dire qu'il n'y a pas de mur invisible et que vous pouvez tirer. Donc moi c'est comme ça que je cherche des fois les trucs. Donc comme là, je peux pas tirer, donc je prends mon grappin. Et là je cherche un endroit où je peux tirer. Et ben là je vois que je peux tirer, du coup je le cramponne pas. Et là je peux tirer et les balles elles passent. Donc voilà une petite strat si vous voulez trouver deux ou trois endroits pour tirer. Donc maintenant on va passer au glitch que j'ai trouvé dans son glitch. Et puis lui il a aussi trouvé un glitch dans son glitch que je vous ferai voir, bien sûr, bien évidemment. Je vous mettrai le founder en description si je le retrouve, parce que je ne sais pas si je le retrouve. Et donc voilà pour le prochain glitch. Donc les amis, vous allez devoir vous rendre comme moi dans la vidéo, donc comme je vous disais tout à l'heure. Donc là, vous allez devoir aller tout simplement ici, viser le cadre là-bas, voilà. Par contre, je ne sais pas si les gens vont pouvoir vous voir. Là, vous allez être entre deux meubles, vous allez être un peu bugué. Et il y a d'autres où vous pouvez tirer et donc vous pourrez aligner des têtes, donc c'est vraiment pas mal. Donc là voilà, donc là j'ai vu qu'on pouvait tirer là-bas et là regardez, bam, voilà, les balles passent à certains endroits. Donc là si vous mettez comme ça que vous spawn kill, voilà, vous spawn kill les gens je crois. C'est un bon glitch je pense pour moi en tout cas. Et donc après, donc là si vous tournez un peu, ah non, donc là on passe au glitch qu'il a trouvé lui-même. Donc vous allez devoir viser comme là et voilà, donc là vous allez là. Donc là les gens vous voyez pas, vous êtes sur une sorte de toit. Sauf que moi comme un con je vais tomber parce qu'en fait il fallait pas se cramponner là-bas. Il fallait se cramponner à gauche, et si vous cramponnez à gauche, vous serez carrément sur le toit. Et sauf que moi, je me suis cramponné au milieu, comme vous avez pu voir, et du coup, je suis tombé. Donc si vous cramponnez à gauche, vous pouvez être sur le toit et kill tout le monde, parce que les balles passaient. J'ai bien vérifié les balles passaient, donc les gars, ce glitch était vraiment trop bien. Moi, les gars, sur ce, j'espère que ce glitch vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner. Moi, je vous dis ciao tout le monde, et bon game.